Donc aujourd'hui, c'est la première édition de la journée porte ouverte de la petite enfance, instaurée par la direction du service aux familles de la ville du Gosier, accompagnée également de divers partenaires de la petite enfance. Donc aujourd'hui, il sera question de traiter des sujets qui concernent en fait directement et indirectement les familles du Gosier, notamment les parents, qui ont des questionnements quotidiens, par exemple sur l'allaitement, sur le bien-vivre, le mieux-être de l'enfant. En fait, la politique de la petite enfance, c'est aider aussi à bien grandir. Donc tout ça, c'est l'occasion de poser des questions aux professionnels pour se rassurer, enlever les doutes sur le mode de garde, sur comment évoluer avec son enfant, où placer son enfant. Donc c'est l'occasion en fait rêver, et on espère pouvoir avoir si possible une prochaine édition pour que le public puisse être satisfait justement en fait de ce genre de rencontre. Aujourd'hui, nous organisons donc trois tables rondes actuellement qui ont démarré. Une table ronde sur l'allaitement, les bienfaits de l'allaitement de l'enfant. Une deuxième table ronde qui va évoquer le bien manger pays avec un partenaire que tout le monde connaît maintenant qui est Typo Pays. Et on va vraiment aborder le bien manger local au bénéfice des tout-petits, et une troisième table ronde sur les neurosciences. Alors ça, c'est vraiment, je dirais, des informations plus complètes sur le fonctionnement même du cerveau de l'enfant et l'approche que nous avons sur les différentes activités qui pourront être proposées à l'enfant dans les premiers jours de sa vie et jusqu'à l'âge à peu près de 6 ans.